Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe du vendredi. Salut à tous les cinq. Marion, votre choix de l'actu du jour. La journée mondiale du bégaiement, à cette occasion on reçoit le patron de Doctolib qui a fait de ce trouble une force. Mohamed, votre story du jour. La stupeur, l'émoi aux États-Unis, le célèbre acteur Alec Baldwin a tué accidentellement une femme sur un tournage, je vous raconte tout ce soir. Pierre, votre œil du jour. La littérature, le cinéma, les séries ont beaucoup parlé de la mine et des mineurs. Ce soir, je vous proposerai des chansons. Et à l'occasion notamment de la diffusion de la série événement de France Télévisions Germinal, Alix Poisson et Guillaume de Tonquédec seront nos invités. Patrick, votre édito du jour. Bienvenue dans le monde d'après. Vous vous souvenez du monde d'après? Ben, nous y sommes. C'est un monde où les énergies fossiles, le pétrole, sont voués à disparaître. Enjeu capital. Entre la fin du monde et la fin du mois, on en parle également avec notre invité, l'économiste Jean Pisani-Ferry. Mathieu, votre 5 sur 5 ce soir. La reine hospitalisée en Angleterre une nuit cette semaine dans le plus grand secret, on va vous le raconter. Autant de sujets qu'on évoque avec nos invités avant d'accueillir donc Alix Poisson et Guillaume de Tonquédec autour du dernier dîner breton de la semaine. Direction Dawet dans les Côtes d'Armor, représentée ce soir par Mathieu Robillard, chef propriétaire du restaurant Béval. Au menu ce soir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Au menu ce soir, un plat phare du restaurant Bévan, la poitrine de cochon croustillante, jus d'huître, capre et chou rôti. Merci beaucoup, chef. À tout à l'heure. Mais d'abord, l'édito de Patrick Cohen. Le Premier ministre Jean Castex a donc décidé d'amortir la hausse des prix et notamment de ceux des carburants par une indemnité de 100 euros qui sera versée à 38 millions de Français. Oui, c'est une mesure à 3,8 milliards qui s'ajoute aux 600 millions d'euros du chèque énergie et aux 5 à 6 milliards pour freiner la hausse des tarifs de l'électricité. Et ce n'est sans doute que le début car nous sommes en train de basculer dans un autre monde. Peut-être est-ce le monde d'après évoqué au début de la crise du Covid. Un monde où le pétrole sera de moins en moins abondant. Et peut-être sans doute de plus en plus cher. La production de brut commence doucement à décliner. Un rapport récent prévoit des problèmes d'approvisionnement en Europe d'ici 2030. Un monde qui, de toute façon, court à la catastrophe climatique s'il ne prend pas à bras-le-corps la question de son avenir énergétique et celle d'une transition qui va nous coûter de l'argent, de l'imagination, des investissements et des habitudes de vie, quels que soient les scénarios. Le chèque Castex n'est que le premier sparadrap d'un problème qui va nous occuper pendant une ou deux décennies, se soucier à la fois de la fin du monde et de la fin du mois, de la lutte contre le réchauffement et de justice sociale. Quels sont les scénarios? Alors on connaît l'objectif, la France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire zéro émission nette de gaz à effet de serre, effort considérable. Aujourd'hui, notre consommation totale d'énergie en France repose à 68% sur des ressources fossiles, pétrole et gaz. Demain, presque tout, je résume, presque tout devra marcher à l'électrique, au courant décarboné, mais décarboné nucléaire ou décarboné renouvelable, ou les deux. Lundi, le gestionnaire du réseau électrique français RTE dévoilera ses scénarios pour 2050. Une note très attendue, mais on sait déjà que cette électrification à marche forcée devrait faire bondir la consommation française d'au moins 40%. Et donc, pour éviter la pénurie, Emmanuel Macron devrait bientôt annoncer la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR, en plus de Flamanville, revirement complet d'un président qui a arrêté Fessenheim et abandonné le projet Astrid, un prototype de réacteur à déchets recyclés. Quelle est l'alternative? Le développement massif des renouvelables, l'extinction progressive du nucléaire et la sobriété, c'est-à-dire la diète, les économies d'énergie, option défendue par Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et documenté il y a quelques jours par l'association Negawatt. Alors c'est le chemin inverse du précédent, une réduction drastique de la consommation d'énergie. Negawatt envisage même une baisse de moitié d'ici 2050 par la rénovation de la quasi-totalité du parc immobilier existant, par l'interdiction des voitures thermiques, par un changement de nos modes de transport vers le vélo et le ferroviaire, etc. Bref, efficacité et sobriété partout. Alors c'est un choix de société. Quel monde voulons-nous? Comment accompagner les plus démunis dans cette transition forcément douloureuse? Ce sera l'actualité des prochaines semaines avec l'ouverture de la COP26 à Glasgow dans 10 jours. Emmanuel Macron y sera le 1er novembre et comme c'est maintenant que tout se joue, eh bien ça sera, en tout cas ça devrait être, une des grandes questions présidentielles. Bonsoir Jean Pisani-Ferry. Bonsoir. Économiste, professeur à Sciences Po et à l'Institut universitaire européen de Florence,
Merci de votre présence ce soir au lendemain des annonces de Jean Castex, le chèque Castex, qui n'est que le premier sparadrap d'un problème qui va nous occuper pendant une ou deux décennies. C'est le cas ? Alors que le problème nous occupe pendant une ou deux décennies, certainement, peut-être même trois hein, ou quatre, c'est une énorme transformation. Et, qui sera douloureuse ? Qui sera inévitablement, collectivement douloureuse. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une ressource qui s'appelle l'atmosphère, qui s'appelle le climat, qu'on consomme gratuitement, enfin qu'on détériore gratuitement. Et il va falloir arrêter. Et on ne le fait pas du tout assez vite. Il va falloir aller trois fois plus vite que ce qu'on fait depuis quelques années, depuis 20 ou 30 ans. Parce qu'il y a urgence. Et ça, on le sait, et on sait de plus en plus que cette urgence est extrême. Donc il faut aller beaucoup plus vite. Et pour aller beaucoup plus vite, ça veut dire qu'une partie de nos équipements, des équipements des ménages, des équipements industriels, des infrastructures, il va falloir simplement les remplacer. Et les remplacer alors qu'elles peuvent encore servir. Donc ça veut dire qu'il va falloir investir plus pour, en gros, consommer la même chose. Donc ça va nous coûter collectivement. Et donc c'est inévitable. Alors ensuite, il y aura toute la question de savoir comment on répartit la charge, comment on protège les plus vulnérables. Mais le fait que ce soit un coût collectif, il n'y a pas de doute. Et il ne faut pas se raconter des histoires comme quoi on va simplement avoir des nouveaux emplois verts, multiples, bien payés, etc. Ce sont un peu des contes de fées. Et on devra en passer par la diète qu'évoquent certains, c'est-à-dire que notre dépendance, on est accro les uns les autres à l'énergie, on en consomme tous considérablement, on est accro à l'efficacité, à la rapidité que nous permet l'énergie, il faudrait y renoncer. Forcément. Alors, il y a deux grandes visions. Il y a la vision des économistes, des ingénieurs qui disent « Regardez, on a fait des progrès absolument considérables en matière de renouvelables, en matière de batteries. C'est allé beaucoup plus vite que ce qu'on attendait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et donc, ça va continuer. Il faut juste qu'on investisse là-dedans, qu'on fasse de la recherche, qu'on fasse confiance aux capacités d'invention des innovateurs. » Et c'est vrai, parce que pendant des décennies, on s'est assis sur les fossiles. Et donc, on ne faisait pas d'efforts dans le renouvelable, on ne faisait pas d'efforts dans ces technologies. Et à partir du moment où on a commencé à en faire, on a eu des effets tout de suite. Hein. Les prix du solaire, les prix de l'éolien se sont effondrés. Donc, c'est une vision techno-optimiste. On va y arriver comme ça. Ce n'est pas complètement vrai. C'est vrai pour une bonne partie. Donc, je suis beaucoup plus optimiste aujourd'hui qu'on pouvait l'être il y a 20 ans. Mais c'est vrai que ça ne va pas nous épargner de faire des efforts. Je vais prendre un exemple, la viande. Hein, la viande, c'est 15%. Les 15% vaches émettent... les vaches, et ça, il n'y a pas de technologie alternative. Hein. Ouais. Il y a des gens qui disent qu'il faut manger de la viande de soja. Bon, ce n'est pas exactement la même chose. Donc là-dessus, et sur un certain nombre d'autres choses, il va falloir aussi que les comportements changent. Donc je pense qu'il faut qu'on joue sur les deux, inévitablement. Il y aura une partie qui va nous apporter l'investissement dans les technologies, puis une partie, ce sera du changement de comportement. Ça, c'est à moyen et long terme. À court terme, il y a l'urgence sociale et donc ce geste du gouvernement. 38 millions de Français qui vont toucher une prime de 100 euros entre décembre et février prochain. Une solution qui a été préférée à une baisse des taxes et qui a été justifiée aujourd'hui par Emmanuel Macron. La première chose, c'est que manipuler la TVA n'est pas possible en droit européen. La deuxième chose, c'est que les taxes sur les carburants, nous sommes à peu près dans la moyenne européenne. Mais ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc, tous ceux qui appellent à la sagesse en termes de finances publiques seraient bien inspirés de regarder combien coûte cette baisse. Troisième élément, elle est absolument non ciblée. C'est-à-dire que quand vous baissez les fiscalités sur les carburants, laquelle n'augmente pas avec le prix, hein, elle est indéterminée, c'est la TVA qui va augmenter avec le prix. Quand vous la baissez pour tout le monde. Donc je considère que c'est plus juste et mieux ciblé ce qu'a décidé le gouvernement. Ils ont raison. Une mesure plus juste, plus ciblée, plus efficace aussi que la baisse des taxes ? Je crois que c'est mieux, oui. Je crois que c'est mieux parce que la baisse des taxes, si vous voulez, on a... si on pense que le prix... Alors, on a deux choses dans ce qui se passe en ce moment. On a une économie mondiale complètement détraquée. Hein. Elle est complètement détraquée suite au choc Covid. Donc, y a des pénuries partout, on n'a pas de puces, le prix du transport maritime a explosé, il y a des tas de biens qui manquent, les gens se précipitent parce qu'ils ont de l'épargne et donc ils veulent acheter plus, etc. Donc, tout ça est détraqué. Bon. Donc, il y a un choc inflationniste assez brutalement. Ce n'est pas simplement l'énergie, c'est des tas de choses qui augmentent. Donc,
Ça, comment on y répond? Alors, nous, on a plutôt tendance, par les économistes, à penser que c'est temporaire. Si c'est temporaire, on peut dire, bon ben voilà, on donne un chèque énergie, un chèque, pardon, inflation, une indemnité inflation, comme dit Jean Castex, on absorbe ça comme ça, et puis ensuite les prix vont se calmer l'année prochaine ou l'année suivante, parce que c'est simplement l'effet de ce choc, l'effet de cette grande perturbation. Bon. Et donc, on compense, si vous voulez, le fait que brutalement les prix se montent. Alors ça, si c'est ça, pourquoi pas? Si ce n'est pas ça, si on se trompe, alors là, on est dans une autre logique et ça veut dire que le gouvernement a pris un risque avec ça. C'est-à-dire qu'il devra suivre l'inflation. Chaque fois qu'il y a de l'inflation, je vais vous faire un chèque, il se met dans une mécanique un peu infernale. Donc, il a pris un risque. Bon. Alors, ensuite, il y a l'aspect proprement énergie. Et là, les prix de l'énergie, de manière générale, ou d'une manière ou d'une autre, vont augmenter. C'est-à-dire que soit on va dire aux gens, on vous augmente, on va mettre un prix sur le carbone, ça va, vous allez payer votre fuel, votre diesel plus cher. Soit on va leur dire, vous n'avez pas le droit de maintenir votre chaudière, vous n'avez pas le droit de garder cette voiture, etc. Et ça leur coûtera plus cher aussi d'une autre manière. Donc ça, je pense qu'on peut le faire, on ne peut compenser que de manière ciblée. Parce que si on se mettait à tout compenser, ça voudrait dire qu'on serait totalement une politique de gribouille. D'un côté, on dirait il faut que ce soit plus cher, et de l'autre côté, on dirait on vous compense pour ça. Donc je pense que les taxes, c'était effectivement pas une bonne idée. Un truc très, beaucoup plus ciblé, c'était très compliqué à faire. Bon, c'est un compromis qui a l'avantage d'être lisible. Injecter des milliards d'argent, ce sera de plus en plus le moyen de temporiser la hausse des prix de l'énergie dans les mois ou les années à venir? Ce sera une autre forme du quoi qu'il en coûte? Non, ce ne sera pas du quoi qu'il en coûte. Ce seront des mesures qui doivent être ciblées pour les catégories de ménages qui sont les plus vulnérables. Pour les autres, il faudra bien que, effectivement, ça participera de notre ajustement à tous, du fait qu'on devra tous s'adapter à ce monde nouveau. Avec juste une petite question, vous parliez du moyen terme. Qui va rembourser aussi cette on a beaucoup parlé d'argent magique. Qui va rembourser? Est-ce que ce sont nos enfants, nos petits-enfants? Si on met le doigt dans un engrenage dont vous parliez à l'instant. Mais je ne suis pas en train de vous dire que l'État doit tout payer. On va payer en partie dans notre épargne. Je pense que ce qu'il va falloir, c'est que... C'est là qu'on se trompe quand on dit qu'il y a d'un côté la croissance et de l'autre côté la transition. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de gain de pouvoir d'achat, et donc tout coût supplémentaire est insupportable. Donc il faut aussi qu'on ait de la croissance. Il ne faut pas qu'on ait la même croissance, il faut qu'on ait une croissance qui soit beaucoup plus verte, beaucoup plus sobre, mais on ne peut pas résoudre l'équation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi il y a cette sensibilité sur le pouvoir d'achat? Ce n'est pas tellement à cause de ce qui s'est passé depuis 2 ans. Depuis 2 ans, en gros, on a préservé le pouvoir d'achat, sauf certaines catégories dans le bas de l'échelle des revenus, il y a des gens qui ont souffert. On peut y revenir. Mais dans l'ensemble, on a préservé le pouvoir d'achat des Français. Mais si vous regardez les 10 ans qui ont précédé, il n'y a pas eu de gain de pouvoir d'achat depuis 2008. En gros, si vous tenez compte de la composition des ménages, le fait que... Il n'y a pas eu de gain de pouvoir d'achat. Donc les gens, en fait, aujourd'hui, ils réagissent au fait que depuis 10 ans, ils sont dans une situation assez stagnante du point de vue du pouvoir d'achat. Donc on leur dit, ça c'est plus cher, c'est insupportable. Si vous aviez eu un peu de gain de pouvoir d'achat comme vous l'aviez dans le début des années 2000 ou dans les années 90, ce serait beaucoup plus supportable. Parce que vous avez toutes les dépenses contraintes, vous savez, les dépenses, ce qu'on appelle non arbitrables, alors vous avez votre abonnement, votre chauffage, etc. Les loyers, etc. Donc là, vous êtes coincé, quoi. Donc, il faut desserrer ça. Et desserrer ça, c'est un peu de pouvoir d'achat. Et un peu de pouvoir d'achat, c'est un peu de croissance. Je vous propose d'écouter quelques réactions de Français au lendemain des annonces de Jean Castex hier soir. Vu ce que je dépense en gasoil, ça sera pas... ça compensera pas, mais bon, ça sera déjà un petit plus. 100 euros, ça nous aide sur un mois, mais derrière, les prix, ils sont toujours aussi hauts, quoi. Les gens, ils en ont besoin maintenant. Les gens, ils vont pas attendre décembre et janvier pour pouvoir mettre de l'essence dans leur voiture. C'est bien, mais c'est pas assez. Il aurait fallu ne pas augmenter tout simplement le prix de l'essence. Ça serait mieux d'avoir directement une baisse à la pompe, il me semble. Ça serait plus équitable. Mais vous avez répondu sur ce point. Hier soir, Jean Castex a aussi baptisé cette prime d'indemnité classe moyenne. Politiquement, socialement, c'est une bonne formule? C'est pas complètement faux, puisque c'est la moitié de la population qui touche. Donc c'est effectivement pas le haut de la classe moyenne, mais plutôt le bas de la classe moyenne. Oui, c'est pas ciblé, si vous voulez... Sur les ménages, les 10 ou les 20% les plus vulnérables. C'est beaucoup plus large que ça. Vous n'êtes pas frappé, Jean Pisani-Ferry, que la question des salaires ne soit pas
davantage posée ne soit pas au cœur du débat. Il y a une situation du marché de l'emploi que vous connaissez, des emplois non pourvus, des secteurs qui souffrent de trouver de la main-d'œuvre et les salaires n'augmentent pas. Si, elle est posée. Mais elle est posée sectoriellement. Elle est posée dans les secteurs qui ont beaucoup de mal à recruter. Mmh. Hein, ce n'est pas une situation générale. Là encore, on est dans une économie très, très différenciée. Il y a des secteurs qui sont complètement coincés parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, parce que les conditions de travail, les conditions de rémunération ne sont pas bonnes. Bah, ces secteurs-là, ils doivent augmenter les salaires. Oui. Mais ce n'est pas une hausse généralisée des salaires. Ce n'est pas ça la réponse. Je pensais aux bas salaires. Oui, il y a les bas salaires, mais qui sont aussi souvent dans ce genre de métier. Hein. Qu'est-ce que, là on est à 183 jours de l'élection présidentielle, qu'est-ce que vous en attendez de cette campagne? Des débats de fond sur l'économie ou est-ce qu'on va assister comme ça à une catalogue de promesses pour séduire les électeurs? Je peux faire un rêve, j'en attends que ça change. J'en attends qu'on parle d'autres sujets, qu'on parle beaucoup plus des sujets dont on parle ce soir, qu'on parle des sujets... De transition écologique, qu'on parle des sujets, par exemple, d'éducation, énorme sujet. On voit bien que le système éducatif français ne fonctionne pas, qu'on est en train on a des problèmes lourds de recrutement des enseignants, de qualité, on a des problèmes lourds de capacité du système éducatif à corriger les inégalités. C'est pas beaucoup dans le débat pour le moment. On a tous les sujets qui se rapprochent quand même de toutes les crises qui sont autour de nous en Europe et qui se rapprochent dangereusement, ce monde qui devient beaucoup plus dur. Bon, j'aimerais bien qu'on parle de tout ça, quoi. Et pas ce débat obsessionnel qu'on a. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Vous avez vu le papier qu'ont sorti les trois partis allemands qui sont en train de faire une coalition de gouvernement. Ils parlent numérisation, transition écologique, mesures sociales. Sur l'immigration, ils ont un paragraphe sur 12 pages. Ils ont on l'avait constaté lors paragraphe. Des débats précédents l'élection. C'est quand même extraordinaire. Un paragraphe sur 12 pages en disant, bon, en gros, on y arrive. Hein. En gros, il y a des problèmes, mais on y arrive. Et il faut continuer. Et d'une manière générale, vous êtes optimiste pour l'économie mondiale détraquée à l'heure actuelle, mais à plus long terme? À plus long terme, oui. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses là aussi. Ce choc, la transition écologique qui se pose beaucoup plus même pour le monde que pour l'économie européenne et l'économie française. Donc c'est quelque chose de très lourd. Je pense que toute la question de l'interférence entre la géopolitique, les affrontements géopolitiques et l'économie, c'est une nouvelle donne complète. C'est-à-dire qu'on a vécu avec une mondialisation qui était une mondialisation économique. On ne se souciait pas du tout des affrontements géopolitiques. D'ailleurs, on n'en avait pas beaucoup, même pas du tout à un moment. Et puis maintenant, on est en plein dedans. Donc oui, il y a des choses assez lourdes qui sont en train. Il y a des mutations assez lourdes. Merci beaucoup, Jean-Pisani-Ferry. Vous restez avec nous. On continue de commenter l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Vous nous parlez ce soir d'un drame qui s'est déroulé sur un plateau de tournage aux États-Unis. Il n'y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l'accident tragique qui a coûté la vie à Alina Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Mon cœur est brisé. Ce sont les premiers mots de Alec Baldwin, publiés il y a quelques minutes sur Twitter après la mort d'une femme sur un tournage. Voici les photos qui ont fait le tour des États-Unis cette nuit. Les larmes de l'acteur effondré après un tragique accident. L'Américain a tiré avec une arme à feu sur deux membres de l'équipe du western Rust, en tournage actuellement au Nouveau-Mexique. La directrice de la photographie du film, Alina Hutchins, a perdu la vue. Et le réalisateur Joel Souza a été blessé grièvement. Le drame s'est déroulé dans un ranch couramment utilisé pour le cinéma. Tous les médias américains parlent de la tragédie Alec Baldwin. Good Friday morning. I'm Philip Mena. I'm Francis Rivera. Breaking news this morning, Oscar winner Alec Baldwin involved in a deadly accident while filming his latest movie. A prop gun misfiring, killing a crew member and injuring the film's director. The sheriff's office says it was Baldwin who fired the gun by accident here at the Bonanza Creek Ranch during the filming of the western movie Rust. Le célèbre acteur a été entendu par la police, il a été laissé libre par la justice. La question que tout le monde se pose aux États-Unis, mais comment
Alec Baldwin a-t-il pu tuer une personne en manipulant une arme censée être chargée à blanc? Audrey Payas a posé la question à un armurier spécialiste des accessoires pour le cinéma français. Alors que ce soit dans western ou d'autres tournages, hein, toutes les armes qu'on utilise, nous, ou aux États-Unis, sont toutes transformées par le même procédé. C'est un procédé qui ne peut pas être remis en arrière. Et une fois que cette arme est transformée, on ne peut plus tirer de vraies munitions. Un bouchon de tir à blanc inséré à l'intérieur du canon empêcherait tout projectile de sortir. Si ces armes sont utilisées dans les règles de l'art, normalement, il n'y a pas d'accident. Coïncidence malheureuse de l'histoire, en 2017, Alec Baldwin commentait sur Twitter une vidéo montrant un officier de police tirer involontairement sur un suspect. À l'époque, l'acteur américain avait tweeté « Je me demande ce que cela fait de tuer quelqu'un à tort ». Ces dernières années, Alec Baldwin était revenu en grâce dans le Saturday Night Live où il imitait à la perfection Donald Trump. As you all know, this is my first press conference in 6 months and there was so much to talk about. I'm bringing jobs back. I'm picking the best cabinet. So go ahead, ask me anything. Yes, you. Yes, Jim Acosta, CNN. No, not CNN either. You're overrated. You're fake news. I tried to watch your network last night, and there was just some crazy blonde woman spouting lies. That was Kellyanne Conway. All right. Ce drame n'est pas le premier dans le cinéma. En 1984. 13, sur le tournage de The Crow, une situation similaire avait coûté la vie de Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. La famille de l'acteur a d'ailleurs publié un tweet d'hommage à la directrice de la photographie. Autre coïncidence fortuite, dans ce western Rust, Alec Baldwin incarnait le célèbre hors-la-loi Harland Rust, un homme qui a permis à son petit-fils, condamné à la pendaison pour un meurtre accidentel, de s'évader. Pierre, les circonstances exactes de ce drame ne sont pas encore connues, mais en 50 ans de carrière, la vôtre, dans le cinéma, est-ce que vous avez déjà vécu une tragédie de ce genre, une tragédie ? Évidemment non, il y a des accidents de cascadeurs, il y a des accidents dans les films d'époque, avec de temps en temps une épée qui n'a pas la bonne direction, mais des accidents mortels sont déjà extrêmement rares. Mais là, arriver à une telle erreur humaine, car on va donc découvrir qu'il y a eu une erreur humaine au niveau de l'armurerie ou au niveau de l'intendance du tournage, on n'a jamais vu ça, et c'est d'autant plus frappant que ça touche le réalisateur qui est entre la vie et la mort, et la chef opératrice, c'est-à-dire le cœur de la fabrication du cinéma. Et cette femme a perdu la vie. Donc c'est un truc qui va frapper à jamais. Et c'est un drame abominable. Merci beaucoup Mohamed. À tout à l'heure. Les chiffres de contamination au Covid-19 remontent en France, Marion. Pas suffisamment pour être inquiétant encore, mais assez pour qu'Olivier Véran reste vigilant. C'était ce matin sur France Info. On est actuellement plutôt dans une tendance à l'augmentation, mais une augmentation qui est modérée. Comme tous les virus respiratoires, quand il fait froid et humide, ça circule plus et donc on s'y attendait. Il n'y a pas d'augmentation des hospitalisations comme l'automne dernier. Pourquoi ? Parce que la population est massivement vaccinée. Il faut booster le rappel de vaccination des personnes âgées et des personnes fragiles dans notre pays. On a monté en cadence puisqu'on approche les 100 000 troisièmes injections par jour, mais ça ne suffit pas. Alors pour se donner la possibilité de freiner les contaminations, le gouvernement a demandé et obtenu une prolongation de la possibilité d'utiliser le pass sanitaire jusqu'à l'été 2022. Pour autant, nos représentants sont-ils exemplaires ? Une vidéo a beaucoup fait parler d'elle la semaine dernière. On y voit Emmanuel Macron s'affranchir quelque peu des gestes barrières à l'Élysée. Il faut dire que c'était après son match avec le Variété Club de France. Sans doute l'ivresse de la victoire n'y était-elle pas pour rien. Ça a donné néanmoins des idées à l'Assemblée. Pour apporter le soutien au collègue Rack, non ? Ah oui, pardon. Non, c'est vrai que je ne suis pas à l'Élysée, donc je dois porter le masque ici à l'Assemblée. Je ne reçois pas les footballeurs, donc je remets mon masque. Excusez-moi, j'avais oublié. Voilà, on pensait tout bêtement que les députés qui respectent pour la plupart les gestes barrières étaient soumis au pass sanitaire à l'Assemblée, comme l'ensemble des Français dans un lieu clos. Écoutez la réponse étonnante d'Aurore Berger sur le sujet. Il n'y a pas de sanitaire à l'Assemblée, non ? Alors, on n'a constitutionnellement pas le droit parce que vous ne pouvez pas empêcher un parlementaire d'accéder à l'hémicycle. D'accord. Voilà, nous, on voulait le mettre en place, mais nous n'avons pas le droit. Voilà, c'est donc une exception au pass sanitaire. Pour des raisons constitutionnelles, un député ne peut se voir refuser l'accès à l'hémicycle. Une aubaine pour les antipasses comme Florian Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan, lequel se serait vu refuser l'accès à la buvette de l'Assemblée qui, cette semaine, a justement instauré le pass sanitaire dont on rappelle qu'il est en vigueur pour l'ensemble des restaurants en France depuis
le 9 août. Et l'exception ne s'arrête pas là. Souvenez-vous, c'était il y a un mois, Nicolas Dupont-Aignan avait fièrement revendiqué l'absence de contrôle du pass sanitaire lors de son meeting au Cirque d'hiver. Merci de votre présence à tous. Le cirque est plein, plein au regard des normes sanitaires. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur de ne pas voir tous les sièges remplis, mais nous avons voulu montrer aujourd'hui qu'on pouvait tout à fait organiser un bel événement dans toutes les conditions sanitaires, sans passe sanitaire. Et ça, c'est une belle victoire. Voilà, alors là encore, Patrick. Oui, il avait le droit de faire sa réunion sans passe. Et absolument, on imaginait le passe sanitaire obligatoire, comme vous, Patrick, lors des meetings politiques, appelé qui plus est à se démultiplier d'ici l'élection présidentielle. Or, RTL a publié hier ce document confidentiel signé par Gérald Darmanin et destiné aux chefs de groupe parlementaire. Un peu comme l'accès des députés à l'hémicycle, le ministre de l'Intérieur y explique que la participation de tous les citoyens à la vie politique de la nation est l'un des principes fondateurs de notre République. Il n'y aura donc pas de passe obligatoire pour assister aux meetings politiques. Dans la même idée et jusqu'à nouvel ordre, le passe sanitaire ne sera pas davantage exigé pour aller voter. Le pass sanitaire qui, pour tout le monde et dans les circonstances quotidiennes de la vie, si ce n'est les meetings politiques, sera donc possiblement prolongé jusqu'au 31 juillet, si la situation sanitaire l'exige. Pour en parler ce soir, le PDG de Doctolib, acteur incontournable de la gestion de la pandémie en France, Stanislas Gnoc-Château, est ce soir notre invité. Bonsoir, cofondateur et PDG de Doctolib, acteur incontournable de la crise sanitaire et particulièrement de la campagne vaccinale. À ce jour, 85% des rendez-vous vaccinaux ont été pris sur votre site, avec des pics à plus d'un million de connexions en une journée. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors non, moins, parce que 90% des Français adultes ont déjà été vaccinés. Je me rappelle avoir été venu sur votre plateau, 51 millions de Français vaccinés à date. On a dépassé Grande-Bretagne, Israël, États-Unis. C'est quand même un énorme succès collectif. Mais oui, il n'y a que 51 millions de Français vaccinés à date. Et il s'agit désormais de faire en sorte que les Français concernés par une dose de rappel, essentiellement la troisième dose, se fassent vacciner. Ça a démarré le 1er septembre, exactement. Mais ça n'avance pas assez vite. Aujourd'hui, il y a 60 000 Français qui se font vacciner troisième dose par jour, 150 000 Français vaccinés encore, 30 000 Français qui continuent de se faire vacciner première dose. Et donc, bien évidemment, plein de disponibilité sur Doctolib. Si vous n'êtes pas encore vacciné, n'hésitez pas à aller sur Doctolib. L'idée, c'est de quoi ? C'est de profiter de la vaccination aussi contre la grippe pour faire d'une pierre deux coups une piqûre par mois ? Alors ça, je ne me permettrai pas de répondre. Je pense que le gouvernement est plus à même de répondre. Nous, on a été très heureux de contribuer à cette campagne de vaccination, qui est quand même un énorme succès collectif. Pour une fois que voilà, la France a été devant les autres pays du monde. Et voilà, on a été ravis et honorés de travailler dur aux côtés du gouvernement, mais aussi des villes, hein, parce que les villes et les soignants ont fait un travail incroyable durant cette campagne. La crise sanitaire qui a multiplié par deux les recherches de spécialistes en psychiatrie ou en psychologie sur votre site, ça vous l'avez constaté? Exactement, on l'a constaté en mars dernier, deux fois plus de recherches de psychologues, deux fois plus de recherches de psychiatres. Et pourtant, vous savez, les psychologues sont non remboursés en France. Je ne sais pas si on le sait, mais il y a 27 000 psychologues non remboursés aujourd'hui. Il y a 2,5 millions de nos concitoyens qui sont soignés par un psychologue chaque année, non remboursés, le système le plus inégalitaire qui existe. C'est-à-dire qu'il y a des recherches et pourtant les rendez-vous ne sont pas pris. Y a surtout des Français. On estime qu'il y a 13 millions de Français qui sont en souffrance et qui ne se font pas soigner aujourd'hui. Et l'accès inégal et difficile à la santé mentale et aux soins en général, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez fondé Doctolib en 2013, un site qui a permis de diviser par 4, je crois, le temps d'accès aux soins. Vous qui très tôt avez été dans la peau d'un patient confronté au difficile parcours d'accès aux soins, c'est votre bégaiement qu'il fallait prendre en charge qui vous a sensibilisé à cette réalité. Exactement, et c'est pour ça que je suis là. Pour une fois, je ne vais pas parler de Doctolib, même si je serais ravi de vous parler de Doctolib. Mais comme vous pouvez le voir, je bégaye comme 600 000 Français. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bégaiement. Et donc, je voulais venir présenter ce qu'était le bégaiement qu'on connaît peu. Comme dirait Joe Biden, qui est bègue lui-même, c'est quand même le dernier handicap duquel on se moque. Et on s'est beaucoup moqué de vous. Et on s'est énormément moqué de moi, comme on se moque de tous les bègues. Et vous savez, moi, je suis venu dire aujourd'hui que oui, c'est dur de bégayer. Oui, il y a du harcèlement scolaire. Oui, il y a de la phobie scolaire. Oui, il y a de la discrimination d'entreprise. Oui, c'est dur de ne pas pouvoir aller au restaurant, de ne pas pouvoir commander du pain à la boulangerie. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est la preuve, je suis là avec vous. Vous en avez fait une force. Exactement, ce n'est pas une fatalité parce qu'en fait,
La parole, ce n'est pas que les mots, c'est le regard, c'est les gestes. La parole, c'est l'écoute, c'est la bienveillance. Et s'il y a des rois, on peut être bègue. S'il y a des présidents, on peut être bègue. S'il y a des acteurs, puisque je crois que Gérard Jugnot avait été invité sur ce plateau aussi pour parler du bégaiement, ça veut dire qu'on peut le faire. Et c'est vrai qu'il y a manque de sensibilisation quand même autour du bégaiement. En entreprise, à l'école. Et il faut sensibiliser sur le bégaiement parce que les formes de ce bégaiement sont très différentes. Vous voyez, moi, de temps en temps, je parle bien, de temps en temps, je bégaye en fonction du contexte. Je peux bégayer plus ou moins. Là, ça vous demande un effort de concentration supplémentaire. Bien sûr, énorme effort. Vous savez, les premières radios que je faisais, en temps, là, c'est bien parce que j'ai le temps, mais vous savez, les radios que je faisais pour Doctolib, qui durent 5 minutes, 7 minutes, ça va tellement vite. Et bien évidemment, aujourd'hui, ça fait 15 ans, j'ai commencé à m'en sortir et à mieux parler, mais il y a encore une fois 600 000 de nos concitoyens qui refusent d'aller en entreprise, d'aller à l'école, qui bloquent leur rêve. C'est ce qui vous est arrivé pendant 15 ans, vous n'avez pas osé lever la main à l'école pour prendre la parole. Et quand vous avez pourtant eu un bac S, pensons très bien, vous avez intégré HEC, mais quand il a fallu tout d'un coup postuler pour des emplois, on vous disait, mais ce n'est pas possible. Bah exactement, moi, je n'ai jamais levé ma main une seule fois en cours, en 20 ans de cours. Ça, c'est assez incroyable à dire. Moi, quand j'étais en classe préparatoire, dans un lycée public, une professeure d'espagnol m'a dit « mais ne va même pas au concours ». Parce que vous savez, l'oral à HEC, c'est un oral qui est assez rude. Et elle m'a dit « ne va même pas au concours, ça ne sert à rien, tu n'y arriveras pas ». Mais voilà, la méritocratie française, le système de santé, le système éducatif français, ben voilà, je pense qu'il vaut quelque chose. Et c'est vrai que la discrimination, on la vit tous, en entreprise, à l'école. Le harcèlement scolaire, on le vit, faut savoir que ça touche 8% des enfants. 8% des enfants, et que le bégaiement, ça se déclenche entre 2 et 5 ans. Ça donc c'est peut-être l'une des conséquences du harcèlement aussi. Alors bien évidemment, c'est l'un des facteurs du harcèlement scolaire. Vous le savez, harcèlement scolaire, problème majeur. Et donc former les enseignants, former les éducateurs, former les enfants aussi. Parce que bah oui, le bégaiement, c'est une des sources du harcèlement scolaire, qui est une des plus grandes sources du harcèlement scolaire. Encore une fois, 8% des enfants bégayent aujourd'hui. Les patients commencent à bégayer entre 2 et 5 ans. Donc si vous êtes parent d'enfants bègues, bien évidemment, je vous invite à lire des livres, à les consulter, à aller voir un psychologue, orthophoniste et à en parler. Vous savez, moi, un jour, il y a une orthophoniste qui m'a dit « tu bégayes, et alors ?» Et ça a changé ma vie. Et en fait, et je pense que pour tous les handicaps, les pathologies, les maladies... Il faut dire « et alors ?» En fait, « et alors ?» So what, elle me l'avait dit en anglais. À l'époque, je ne parlais pas anglais. Mais vous vous êtes un peu dit ça. Je fais « voilà, on me recale dans les entretiens d'embauche. On n'en veut pas, mais je vais m'embaucher moi-même. Je vais créer ma propre entreprise. » C'est ce que vous avez Écoutez, fait. J'ai postulé à 3 des plus grands cabinets de conseil en stratégie du monde, dont certains ont fait quelques news. Et les 3 m'ont dit « tu ne seras jamais capable d'aller devant un client. » Et les 3 m'ont dit ça durant les processus d'entretien. Et un jour, je me suis dit, peut-être faut faire une entreprise bienveillante, à l'écoute. Peut-être faut travailler dur aussi pour quand même réussir. Et donc, c'est vrai que nous, on essaie de faire ça sur Doctolib. Mais surtout, moi, j'invite tous les gens qui ont un handicap à ne pas se fixer de barrières et à ne pas se dire, c'est parce qu'ils bégayent qu'il ne faut pas qu'ils fassent de job de communication. Moi, vous savez, le premier dentiste qui m'a fait confiance, parce que nous, on fait un logiciel pour des soignants, le premier dentiste qui m'a fait confiance, il m'a dit, Stan, je vais prendre Doctolib parce que tu bégayes et je sais pas, je t'aime bien. Et donc ça a commencé comme ça. Bon, après, j'ai quand même dû faire autre chose pour créer un peu de valeur pour eux. Mais je pense que c'est important. C'est important parce qu'on est discriminé. Oui, on est discriminé. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a des gens qui vous bloquent. Mais voilà, moi, il y a aussi des gens qui m'ont fait confiance à l'école. Il y a aussi des gens qui m'ont fait confiance. Il y a aussi des proches qui m'ont fait confiance. Donc voilà, je suis venu là pour dire que si vous... Bégayez, vous inquiétez pas, vous pouvez vous en sortir. Si vous êtes parent de bègue, et il y en a plein, n'hésitez pas. C'est pas un drame. Exactement, c'est pas un drame, faut en parler. Et puis surtout, parlez-en aussi à l'école, parce que la phobie scolaire, c'est quand même quelque chose de grave. Et l'éducation, c'est important. En 2016, un autre acteur américain, celui-là, Bruce Willis, a été honoré par l'Institut américain du bégaiement. Et dans son discours, vous allez être touché forcément, Stanislas, il témoignait de ce qu'il a traversé en tant qu'enfant bègue. The hardest thing that I remember was being a kid stuttering. And my advice to the young people in this room to never let anyone make you feel like an outcast. Because you will never be an outcast. A very wise woman named Eleanor Roosevelt once said that no one can ever make you feel bad about yourself.
without your permission. Comme quoi, vous n'êtes pas un outcast, comme dit. comme incroyable, dit, je ne savais pas vous que vous étiez évêque, mais incroyable. Voilà. Vous n'étiez pas un outcast, mais vous étiez déjà ultra déterminé petit. Je crois que vous étiez champion de tennis à 12 ans, un genre de Gaël Monfils avec qui vous avez joué d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais j'ai été quand même un peu moins bon que lui. mais heureusement, le bégaiement ne m'handicapait pas pour jouer au tennis. Absolument. Et la détermination vous a servi pour la suite. En tout cas, l'entraînement. C'est sûr que le bégaiement et le sport, ben voilà, c'est deux bonnes écoles de la vie. J'espère que ça me sert toujours. Après, j'espère qu'il ne faut pas être bègue et jouer au tennis pour faire des choses. Mais oui, c'est vrai. Pour être l'un des entrepreneurs qui fait l'admiration de toute la techno, de toute la tech française, Jean Pisani-Ferry, c'est un modèle. Doctolib, est-ce que la santé numérique est sous-investie en France? Ben, pour le coup, non. Hein. C'est même, je crois que vous êtes en Allemagne aussi. Exactement. La question que j'ai envie de vous poser sur Doctolib, c'est quoi la prochaine étape? Écoutez, parce que maintenant que vous avez conquis cette position extraordinaire. Non, en fait, sur Doctolib, on a deux grands objectifs. Le premier, c'est la qualité de vie des soignants, que les patients ne voient pas, mais en fait, on a plein de logiciels et de solutions pour les soignants. Et la deuxième, c'est l'accès aux soins. Moi, je suis un peu utopique, je crois en un accès aux soins égalitaire et simple. Et il y a plein de choses à faire encore pour les patients, plein de choses à faire pour les soignants, en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Pour une fois, on a une boîte française, une techno française. Et donc, on essaie de la déployer en dehors des frontières de la France. Et oui, la santé, c'est l'une des choses les plus importantes qu'on ait, hein. Vous savez tous, et on l'a vu sur les 18 derniers mois. Et donc, investir dans nos soignants, investir dans l'accès aux soins, investir dans le numérique en santé, je pense que c'est très, très important. Je pense que c'est très important. Le journal Challenge vous a consacré un portrait et vous demandez vos j'aime, j'aime pas. Vous disiez j'aime Raphaël Nadal, l'Europe, la montagne, le ski alpin, la France au JO. J'aime pas l'immobilisme, la désinformation, les discriminations et le fromage. Je me suis dit, pourquoi tout d'un coup, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Non, mais c'est vrai, je suis désolé. C'est profond, c'est j'aime profond. J'aime bien quand même la raclette, la fondue, le fromage. Ah oui, voilà. Non, mais j'aimais bien l'immobilisme, la désinformation, la discrimination et le fromage. On ne peut pas aimer la montagne et pas aimer Alors, moi, je suis un énorme fan de montagne, fan de sport, fan ça va, de. Ça va ensemble. France, donc, bah, voilà. Voilà, si vous étiez avec moi, Sochi, j'étais complètement perplexe devant cette contradiction. Je voulais la souligner ce soir, c'était essentiel. Merci beaucoup, vous restez avec nous. On continue à évoquer l'actualité avec le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Merci. Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous. Salut Mathieu. Au sommaire. Une grève SNCF à la veille des vacances de la Toussaint, précisément alors qu'on apprend que les Français partent nombreux pour ces congés. La reine Elisabeth II, hospitalisée une nuit cette semaine, dans le plus grand secret, le palais n'avait pas prévu que l'information soit rendue publique. Et puis, des zèbres, des pumas, des sangliers. La fin du 5 sur 5 ce soir, c'est un peu l'arche de Noé. On commence ce soir avec une grève SNCF. Oui, quelque part, c'est le retour à la vie normale. Début des vacances de la Toussaint, trois syndicats ont lancé un préavis de grève hier soir. C'est la ligne atlantique du TGV qui sera impactée. Un TGV sur 10 était supprimé aujourd'hui, ce sera le double demain. Ce matin, Louis Amar et Anaïs Recouli sont allés à la rencontre de voyageurs de ces lignes à la gare Montparnasse à Paris. C'est trop répétitif, si c'était une fois de temps en temps, mais je trouve que c'est pratiquement à toutes les vacances. Ça fait des années qu'ils nous prennent en otage, donc c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de cheminots qui en chient, qui ont des petits salaires, et puis surtout en vivant à Paris, c'est vraiment pas facile. Donc c'est un mouvement légitime pour vous? Oui, tout le temps, toutes les grèves, c'est des mouvements légitimes. C'est leur arme fatale. Hein. Le problème, c'est que je pense qu'il y a des gens plus malheureux qu'eux actuellement sur le plan salarial. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on subira, c'est tout. Hein. Si c'est leur seule façon de s'exprimer, de se faire comprendre, eh ben, qu'ils y aillent. Hein. Il y a d'autres moyens de se déplacer dans la France, et si on s'organise bien, on ne sera pas si pénalisé que ça. Quoi. Franchement, ça commence à nous énerver tous. Hein. On paye aussi, nous, on a eu le confinement, le Covid, on ne pouvait pas partir. Maintenant qu'on peut partir, mince, les grèves arrivent. Ça, c'est sans fin pour nous quand même. Hein. Pour les syndicats, à l'origine de cet appel à la grève, les cheminots, justement, se sont retenus pendant la pandémie. Nous, l'année dernière, les cheminots, on a joué le jeu. Quand il a fallu assurer, être là, être présent, c'est-à-dire dans le pire moment du confinement et du Covid, bah, les cheminots ont répondu raison. Mais là, ça ne va pas durer 20 ans, cette histoire. Alors, pendant un an et demi, on n'a pas entendu beaucoup parler des cheminots et des grèves des cheminots. Voilà, maintenant, on sort de tout ça. Une grève, ce n'est jamais le bon moment. Voilà, parce que d'abord, nous, on perd de l'argent et les gens, ils se retrouvent à pas avoir de train. Donc ça, il faut qu'on m'explique, c'est quoi le bon moment de la grève. Si vous ne vous mettez pas en grève, vous n'êtes
pas entendu. Walou, on peut faire des manifestations, on a fait des manifestations, on a fait des pétitions, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si à un moment donné, vous ne tapez pas du poing sur la table et vous ne bloquez pas, et ben personne ne vous écoute. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont d'accord avec ça et qui le partagent, même s'ils peuvent en même temps trouver ça embêtant de ne pas pouvoir prendre leur TGV. Il réclame donc un retour à 100% de l'activité des lignes TGV. D'après les syndicalistes SNCF, de nouveaux mouvements sont à prévoir les prochains week-ends. Jean-Pierre Ferry, je le disais, c'est un retour à la vie normale, des grèves SNCF, oui. Des vacances. Oui, c'est le monde d'avant. Mais dans le monde d'avant, ce qu'on se demande quand même, c'est pourquoi dans cette entreprise, on n'arrive pas à régler les questions autrement. Que ça, c'est un grand mystère, oui. Ce que dit aussi le syndicaliste, hein, il dit, il n'y a que comme ça qu'on nous entend. Alors, puisqu'on parlait de vacances, Babette, les Français ont envie de partir, besoin de partir à l'étranger, en particulier à printemps, et ils comptent bien profiter de ces vacances. Regardez. Normalement, les vacances de la Toussaint, c'est la période la moins fréquentée ici au bord du lac d'Annecy. Cette année, on a été surpris par des résas et de surpris de jour en jour parce qu'il y a beaucoup de résas de dernier instant. Moi, j'étais en moyenne à 7-8 consultations de fiches par jour de vacanciers qui regardaient mon hébergement. Et puis là, on est arrivé à presque 40. On en est à donner les dates aux clients. On est complet quasiment tous les week-ends. Les vacances, on n'a quasiment plus de disponibilité. Donc c'est un énorme soulagement pour nous. On est à 60% du remplissage actuellement et c'est pas fini, t'es en train de monter en puissance. Il faut noter aussi toutefois que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de reports et d'avoirs, ça joue précisément en ce moment pour ces vacances de la Toussaint. Alors si vous n'avez pas encore choisi votre destination, j'ai une proposition originale à vous faire. L'Arabie Saoudite va transformer une plateforme pétrolière en complexe touristique, un projet de parc d'aventure avec des hôtels, voilà, des restos, des manèges, une grande roue, de la plongée, du saut à l'élastique, on est au large, hein. Offshore comme on dit, 150 000 mètres carrés. Voilà peut-être de quoi préparer l'après-pétrole, Patrick. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit très... Bilan carbone, oui. Écologiquement, hein, ce genre de truc. Mais... Il faut avoir envie de séjourner sur ce genre de plateforme. Alors puisqu'on parle de vacances, est-ce que vous avez déjà rêvé, joué à rêver à vos vacances avec une map monde ou un globe, vous savez, en tournant comme ça et en s'arrêtant puis sur la Floride. C'est pas mal. Oh bah tiens. Hein, pas mal. Tiens, puisque je voulais vous montrer, puisqu'on regarde le monde d'en haut comme ça, ça n'a rien à voir avec les vacances, mais c'est une vidéo stupéfiante. Un journaliste qui demande simplement à un responsable taliban de situer son pays dans le monde. Regardez. Où est l'Afghanistan ? C'est dur à trouver. Quelqu'un sait où c'est ? On trouve déjà l'Asie. C'est là. Ah oui, c'est là. Voilà, les talibans ont donc pris le contrôle d'un pays qu'ils ne sont pas tous encore capables de situer sur une carte. Oui, il y a des dirigeants américains qui... Qui ne savent pas non plus. Hein. Je ne veux pas les citer, mais c'est à peu près ça. Hein. C'est pas faux. C'est l'heure du nouveau rendez-vous hebdomadaire, Génération 2022. Alors régulièrement, nous retrouvons désormais Manon Mella, journaliste à France Info, qui sonde la jeunesse et nous raconte ses préoccupations. La jeunesse. De nombreux jeunes d'aujourd'hui. J'ai entendu les jeunes. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Nous sommes à la fin du mois d'octobre, à la fin d'octobre rose, le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Et ce soir, Manon nous présente une jeune femme atteinte d'un cancer qu'on a tardé à dépister. Alors aujourd'hui, on est avec Whitney. Bonjour Whitney. Bonjour. Tu as 29 ans et tu as voulu qu'on se retrouve ici, juste à côté de l'Institut Marie Curie, parce que c'est là où tu te fais soigner pour ton cancer du sein. Et le cancer chez les jeunes, on en entend souvent parler. Alors on va profiter de la campagne Octobre Rose pour en discuter. J'ai senti une boule dans mon sein. Je vais chez ma gynécologue et elle me dit ça peut pas être un cancer du sein, vous êtes trop jeune. À ce moment-là, j'avais 26 ans. Vous pouvez rentrer chez vous, quoi. J'ai continué quand même à faire contrôler la boule jusqu'au moment où elle a commencé à prendre trop de place. Elle me faisait très mal. J'ai réinsisté donc en début de cette année et c'est là que le 10 février, on m'a dit, ben, madame, vous avez un cancer du sein. Donc pendant 2 ans et demi... vécu avec cette boule qui me faisait mal, mais on ne me croyait pas. Ça, c'est pour les dépistages. Il faut reconnaître que Whitney elle-même a bien sûr été surprise de se voir diagnostiquer un cancer si jeune. Quand le mot cancer est tombé, tout s'est écroulé, je n'y croyais pas. Tout s'arrête, en fait. On ne peut plus travailler parce qu'on s'embarque dans des traitements lourds. Ces traitements lourds font que les projets, par exemple, de fonder une famille, projet bébé, tout ça s'arrête. Si tu avais
un message, toi, à adresser aux politiques ? Mon message, ce serait de faire plus de campagnes de dépistage, même dans les écoles. Je pense qu'à partir du lycée, ce serait vraiment pas mal. Qu'il y ait plus de communication, je pense que c'est ce que je demanderais. Génération 2022 avec Manon Mella, donc dans le 5 sur 5, et puis en quotidienne à la rencontre de la jeunesse sur France Info à 12h55. Plus de campagnes d'information, ouais. Évidemment. Très important, plus de campagnes de sensibilisation, prévention. Vous savez, la santé des enfants, vous êtes suivi par votre pédiatre, mais après le pédiatre, c'est terminé pendant 15 ans, 20 ans. Et donc la santé des enfants, la santé mentale et la prévention, pour moi, c'est des grands axes de stratégie de notre système de santé, c'est sûr. Et on le voit bien dans cet exemple-là. Hein. On passe à l'info qui a fait trembler tout un royaume. La reine Elisabeth II est de retour à Windsor depuis hier, mais dans la nuit de mercredi à jeudi, elle a été hospitalisée en secret. C'est évidemment à la une ce matin outre-Manche. The Queen spent Wednesday night in hospital. For preliminary investigations after cancelling a trip to Northern Ireland. The Queen returned to Windsor yesterday afternoon after that night stay in hospital. Buckingham Palace has confirmed. The Queen attended hospital on Wednesday afternoon, returning to Windsor Castle at lunchtime today and remains in good spirit. C'est le Sun, un tabloïd, qui a publié l'information le premier. Ça n'a pas plu à Buckingham. Ça n'est pas du tout protocolaire. Nous nous sommes renseignés aujourd'hui. En cas de décès de la reine, ça arrivera un jour, hein, Babette, il va falloir l'accepter. Figurez-vous que l'annonce d'une mort d'Elisabeth est extrêmement codifiée, préparée. Ça s'appelle Opération London Bridge. D'abord, le secrétaire personnel de la reine appellera Downing Street, le Premier ministre, avec la phrase de code « London Bridge is down », le pont de Londres est tombé. Ensuite, la nouvelle sera transmise au chef d'État du monde entier, d'abord au pays dont elle est elle-même la chef d'État, puis ensuite l'information sera donnée à la presse avant une annonce devant les grilles de Buckingham et sur le site du palais. Enfin, les parlementaires seront réunis. Charles, le nouveau roi, prendra la parole pour la première fois. Je vous passe tout le protocole en cas de mort à l'étranger, dans ses résidences également de Sandringham ou de Balmoral en Écosse. C'est extrêmement compliqué, déjà codifié. Mais ce qui surprend sur l'annonce de l'hospitalisation d'Elisabeth, c'est que l'information ait été tenue secrète. We were led to believe on Wednesday by Buckingham Palace that the Queen was resting at Windsor Castle. In point of fact, she was in hospital undergoing these what are now described as preliminary investigations. Yes, she is the head of state, and therefore, you know, should we know what her state of health is, but equally she's an individual who's entitled to some form of medical privacy. Quelques correspondants royaux, hein. Il faut savoir que tous les journaux britanniques dignes de son nom ont un royal correspondent, un journaliste chargé de couvrir l'actualité de la reine et du palais. Elle a le droit au secret médical aussi, Elisabeth II. J'espère que oui. Elle ne prend pas encore ses rendez-vous sur Doctolib, surtout. Non, en tout cas. Elle a dû se faire vacciner en Grande-Bretagne, probablement. Elle a son royal lib personnel. En tout cas, Elisabeth II est attendue à la prochaine COP26 à Glasgow, en Écosse, au début du mois de novembre. Les fameuses infos animalières du 5 sur 5. Oui, alors nous sommes dans les Hauts-de-France d'abord. Regardez ce qui fait la une dans le Pas-de-Calais. Imaginez-vous maintenant tomber nez à nez avec un félin en sortant de chez vous. C'est ce que craignent des habitants près d'Arras dans le Pas-de-Calais. La chasse au félin est ouverte. Oui, une bête, un fauve qui n'a pas encore été localisé. Le préfet a ordonné de l'abattre dans les communes autour d'Arras, mais les internautes se mobilisent pour lui sauver la vie. Une pétition a été signée ce week-end, figurez-vous, elle a reçu plus de 10 000 signatures. Rendez-vous compte, hein, dans la zone d'Arras, toute la semaine, on a parlé de ce puma, la chasse au puma sur place. Regardez, ça anime les discussions. C'est une grosse bête. À son corps et à surtout sa démarche, plutôt pâteau, hop, 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 quand il avançait. Là, je me suis dit, oui, c'est un félin. Il est resté très longtemps, le long du bois, là-bas. J'espère pas de le croiser. Avec une copine de travail, on avait trop peur sur la route, tout ça. On s'est dit, on va le croiser. Surtout en ayant des enfants, j'irai pas prendre le risque de me faire attraper. D'autant que beaucoup de gens se promenaient, notamment moi, dans les bois, tranquillement, ou à des endroits où on aurait tout à fait pu se faire agresser. Alors, il y a quelques années, un tigre était aperçu en Île-de-France. Finalement, voilà. C'était un lynx. C'était en Seine-Saint-Denis et c'était un gros chat. C'était un lynx en Seine-et-Marne, Patrick.
Ah, en Seine-et-Marne, vous avez raison, c'était en Seine-et-Marne. Un lynx, vous êtes sûr ? Moi, j'avais un gros chat. Je vérifierai, promis, la réponse définitive lundi. Plus récemment, une panthère dans le Nord, déjà. Alors là, on est quand même sur une bête qui peut peser 50 à 100 kilos. Le puma, là. Très gros chat, le puma qui court à 80 km/h. Et je voudrais qu'on ne se moque pas des habitants du Nord, s'il vous plaît, parce que pour vous rendre compte, on a cette image aux États-Unis. Alors aux États-Unis, on appelle ça un cougar, mais c'est le même animal. Regardez cette vidéo amateur de cougar en chasse devant un promeneur. Go away! No. No. Fuck you, dude. Et ça dure. Hein. On a regardé un petit extrait. Il a reculé comme ça des centaines de mètres. Résultat, le préfet, pour revenir dans le Pas-de-Calais, a choqué les amis des animaux en autorisant l'abattage du puma. Une pétition rassemble plus de 50 000 signataires opposés à cette exécution. Des associations proposent d'aider à pister la bête désormais. Mais ça peut durer. Regardez, près de Washington, ça fait 2 mois qu'on essaye d'attraper des zèbres échappés d'une ferme exotique. 2 mois, on n'y parvient pas, 2 mois de traque, sans réussir à mettre la main dessus. Oh là là, c'est incroyable. Bon, dernières infos sur les animaux, c'est dans le 5 sur 5. On aime bien, c'est les infos animalières. Merci beaucoup Mathieu. C'est une grève rentrée dans l'histoire. Une grève longue de près de 2 mois, suivie par quelques 12 000 mineurs à Anzin, dans le nord de la France. Une lutte sociale qui a inspiré à Émile Zola son Germinal, chef-d'œuvre adapté aujourd'hui à la télévision pour une grande fresque sociale. Alex Poisson, Guillaume de Tonquédec, bonsoir. Bienvenue à tous les deux. Vous êtes éblouissants dans cette série en 6 épisodes de 52 minutes. Je le dis tout de suite, sinon je vais me faire gronder, qu'on peut voir dès ce soir sur la plateforme de France Télévisions, mais ce sera normalement mercredi prochain dans l'écran à l'ancienne sur France 2. C'est extraordinaire. Vous vous incarnez deux des 20 rôles principaux de cette série qui est qui au-delà de la réussite de performance, d'acteur, est une super production. On en prend plein les yeux. C'est-à-dire que c'est aussi spectaculaire que réussi. Ça a été tourné en décor naturel. Il y a eu des mines inondées qui ont été reconstituées. Enfin, c'est absolument bluffant. Il me reste 20 secondes pour dire encore tout le bien que j'ai pensé de cette série. Vous pouvez me dire merci. Merci. Ben oui, non, parce qu'on est suspendu à vos lèvres, en fait. Oui. On trouve ça chouette, mais merci beaucoup. Non, mais franchement, c'était votre première super production à tous les deux ? Oui, à ce point-là, quand même. Pour la télévision, Un nombre 2400 figurants, dont des mineurs. C'est absolument génial. On continue à en parler avec Guillaume de Tonquédec et Alix Poisson dans une seconde. On vous attend.